Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu sport ou simplement hydratation. Alors que vous fassiez du sport, bah, vous avez besoin de boire de l'eau. Que vous fassiez, que vous soyez vieux, vous avez besoin de boire de l'eau. Enfin, moi, je suis pas si vieux que ça, il faut quand même que je boive de l'eau pour mes reins, tout ça, tout ça. Donc, j'ai assez content de trouver des produits sur AliExpress et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien une belle gourdasse. Voilà, un truc un peu stylé sur lequel je puisse faire du sport, qui soit pratique, qui soit pas excessivement cher et qui puisse gérer un peu, voilà, mon niveau de d'hydratation quotidienne parce que je le vaux bien. Allez, tout de suite. Bon, première chose qui vous aura sauté aux yeux, à part le prix en dessous de 20 balles TTC, voilà quoi là, c'est le design de la gourdasse. Alors, j'ai pas encore eu l'idée de mettre les citrons dedans. Mais c'est en voyant les vidéos que je me dis, oui, je peux mettre des citrons dedans, parce que le produit, il est extrêmement quali. Allez, sur la fiche produit, on va voir précision, scale, encore une fois. Oui, parce qu'il y a le poids et tout à l'arrière, c'est trop bien, voilà. Donc, imported return matériel, donc matériel de qualité. Elle n'a pas le goût de bouteille, ni le goût de plastique, c'est bien. Sport portabilité, grâce à sa petite poignée, ça c'est trop bien. Large capacité, alors moi j'ai pris le modèle 1 litre, parce que déjà la gourdasse, elle est quand même un peu... elle n'est pas légère, tu vois. Donc j'ai légère, plus 1 litre d'eau, 1 kilo. 2 litres d'eau, 2 kg plus la gourdasse, 2,5 kg, pas déconner. Et en fait, elle est anti-drop parce que voilà, il y a un petit contour comme ça en plastique qui permet que si elle tombe, voilà, ça va la protéger et tout. Ça, j'aime bien. Et en plus, elle est BPA free. Ça, je sais pas ce que c'est. Car oui, quand on reste sur le site, il y a bien plusieurs. Alors, il y a la 1 litre qui est le petit modèle. Voilà, la 1 litre, 1,6 litre. Il y a bien aussi peut-être ouais, mais en fait, après, c'est 1,5 kg aussi, voilà, plus la gourdasse ou 2 litres. Bon, après, là, c'est pour les gros buveurs. Bon, je sais que d'entre vous, il y en a, mais c'est pour de l'eau. Bon, comme elle est de qualité, tu vas pouvoir mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide. Je sais pas, voilà. Du thé, peut-être, non, mais en même temps, oui, ça fait en même temps un peu thermos. De moins 20 degrés, donc de l'eau fraîche, et 100 degrés chaude. Bon, un des premiers arguments ultimes, c'est évidemment, vous voyez, le petit bouton ici, vous voyez, j'appuie dessus, et ça ouvre la gourdasse, et il y a une petite paille qui permet d'aspirer l'eau et tout. Alors, ils disent que la paille, tu peux l'enlever, toi, pour boire un peu... Comme un, wow, yeah, ah, comme ça, chut, je suis pas encore prêt. Mais sinon, à l'ancienne, tu mets la paille dedans, vous avez vu, elle est rétractabilisable. Voilà, tu la mets dedans, tiens, hop, tu aspires, voilà, tu têtes pour les plus scientifiques d'entre vous. Et tu refermes et tu ouvres comme ça, et c'est trop bien. Oui, il le dit bien dans le truc, tu peux mettre soit la petite pipette pour ceux qui veulent têter de l'eau, et le truc pour. Ah, je m'y vois déjà. Bon, bien évidemment, le fait que... Alors, la sangle est d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que la sangle, 20 balles, on te dirait, ça passe. Elle est trop belle, trop quali. Je presse la recycler pour la mettre sur ma sacoche. Tellement qu'elle est bien. Voilà. Bon, après, il y a aussi une petite sangle et tout ici, pour pouvoir la tenir. La poignée, voilà, avec le petit fixe comme ils mettent et tout. C'est très... vous voyez, quand tu l'as en main, tu te dis... C'est qualitable. Alors, il nous annonce bien évidemment qu'on a un petit bouton de pression et tout, mais il y a un petit bouton de verrouillage. C'est-à-dire que si tu descends, pas du tout, il faut le monter. Si tu montes le bouton, comme ça, et ben t'as beau appuyer, il se passe rien. Ça peut être bien pour le transport, mais dans un sac à dos, tu dis oui, mais j'ai peur que ça s'ouvre, nanana. Voilà, là, il y a une sécurité, hop, là, tu peux l'ouvrir, ok, hop, et là, tu lèves et tu peux pas l'ouvrir. C'est encore une fois, le diable est dans le détail. Ça veut dire que c'est le petit détail où tu te dis, ouais. C'est bien. Bon, après, lock up, unlock, ça, bah, une fois que tu t'es trompé une fois, t'as compris. Alors, il nous parle du bouchon. Qu'est-ce qu'il a particulier, bouchon? Qu'est-ce qu'il est stylé, ce bouchon? Regardez le truc, comme c'est trop bien fini. En plus, il y a du plastique mou et tout autour et tout. Là, il y a l'étanchéité, la petite gourdasse, on met la salade dedans, hop, ici, on tourne, chut, on essaie de pas se crever un œil. Ouais, Richard, sort de ce corps. Bah, on a fait le tour. Hein. Alors, vous voyez, c'est là que c'est intéressant. C'est en allant sur le site, on dit bien, matériel, tu. Le nom claque sa mère, hein. TKK déjà, c'est bien, et Triton Sport Bottle Sport et tout. S'il y a des trucs qui peuvent me faire juste acheter, c'est ça. J'ai la bouteille Triton et tout, voilà. Ça. Bon, t'as la poignée comme ça et tout, t'auras vu, t'as des petits ouais, des petits mousquetons pour mettre sur côté. C'est trop bien, c'est en métal, c'est pas du plastique et tout. Ça, c'est super quali, tu peux le mettre le long comme ça. Hop, tu vas pouvoir l'éteindre. Je vais essayer de pas m'embrouiller avec le micro, je vais essayer de pas me blesser. Voilà, et après, tu peux l'ouvrir et tout. Très, très joli produit. Alors, c'est là où ils disent, voilà, en fait, la petite fait quand même 220 grammes, la moyenne fait 260 grammes et la troisième fait 280 grammes. Bon, c'est-à-dire que sans l'eau, t'as déjà 220 grammes. Plus 1 kg d'eau, voilà, ou 1 litre d'eau, voilà, parce qu'un litre d'eau, 1 kg,
voilà, masse volumique de l'eau, tout ça, voilà, bon. Sportif, on n'est pas intellectuel. Et voilà, ça sera tout. Encore une fois, là, on est dans le dernier, mais c'est juste une gourde. Oui, va chez Decathlon, n'importe quel magasin, va regarder une petite gourde de merde en plastique dégueulasse, c'est le prix que ça vaut déjà. Alors soit ça vaut rien, parce que bah t'as compris pourquoi ça valait rien, soit ça vaut extrêmement cher, tu veux un truc un peu quali. Et là je trouve que voilà, le fait de pouvoir trouver des marques comme ça un peu sur AliExpress, c'est un très très bon produit. Je vais la recharger en eau, parce que là je l'ai nettoyé pour vous faire voir un peu la vidéo et tout. Je vais recharger en eau et tout, et je me dis que c'est, voilà, c'est un produit qui est très intéressant, et je me dis voilà, moi il faut que je boive au moins 2 litres d'eau par jour, donc là le matin je mets mon eau dedans, hop, je sais que vers midi 14h il faut que j'ai bu au moins la moitié, je recharge, et il faut que dans ma journée j'ai bu mes 2 bouteilles. Voilà. Oui, t'as qu'à prendre les bouteilles de 2 litres. Ouais, mais attends, déjà, c'est dégueulasse. Parce que vous mettez que de l'eau dedans. T'en vois que la moitié. En plus, faut traîner 2,5 kg, 2,3 kg toute la journée et tout. Je suis plus. Et puis, comme ça, ça permet de mettre de l'eau fraîche. Voilà. Ou de changer les parfums. S'il y en a. Je vais pas sponsorisé, moi, par les trucs qu'on met dedans, là. Sportifs. Ils ont tout ça, là. Les gros youtubeurs, hein, de sportifs, de trucs, là. Et mais moi aussi, là, que je mette du fruity-fruity dedans, là. pour colorer mon eau. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, 19,36 €. Dites-moi ce que vous en pensez. 19,36 € après en 1,5 litre, 25,25 €. Et 26,85 €. Putain, pour la différence est pas, voilà, entre 5 et 6 balles de plus. La différence n'est pas exceptionnelle. Voilà, ça permettra de faire une vignette, une gourde professionnelle. J'ai cherché mon titre putaclic et tout. Moi, voilà, c'est le genre de produit que j'ai acheté pour moi. Et je me suis dit, je partage avec vous et on verra que la semaine prochaine, encore un produit que j'ai acheté pour moi, que je vais partager avec vous. Ou alors j'en ai un autre où ça sent la douille quand même. Hein. Donc je sais pas, vous me direz peut-être en commentaire. Prenez bon samedi, on se donne rendez-vous demain sur WTA, je vous rappelle, pour ma vidéo en Chine où je suis allé voir un nouveau magasin de gadgets, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, on aura le giveaway sur cette chaîne suscitée la même que maintenant. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, bon week-end.